tout le monde et bienvenue chers amis sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. J'espère que vous avez eu une belle semaine et que le tirage des énergies vous a permis de voir beaucoup plus clair. Et aussi, comme vous l'avez constaté, on a une nouvelle rubrique chaque lundi où je vous fais un tirage angélique avec mon oracle des anges. Donc si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Elles ne vont pas remplacer, rassurez-vous, les énergies de la semaine. Les énergies de la semaine, c'est vraiment pour vous donner une vue d'ensemble et des conseils pratiques sur ce qu'il y a à faire ou ce que vous pouvez faire. Et le message angélique, c'est vraiment comme un conseil. C'est vraiment comme une, comment dire, comme une inspiration, une douceur, on va dire, parce que vous verrez que la teneur de l'ambiance d'un tirage angélique et le tirage du Petit Lenormand est vraiment différent. L'atmosphère est différente, l'interprétation est différente, donc vous pouvez voir vraiment qu'il y a une différence. Et ce n'est pas de la mise en scène, c'est l'énergie. C'est quand on canalise cette énergie, c'est là qu'on passe d'un état à un autre. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire comment cette série de vidéos sur le corps humain a pu les aider à comprendre mieux leur tirage, parce que si vous êtes comme moi, si vous êtes professionnel, vous avez souvent des questions qui sont reliées à la santé. Et ces tirages permettent vraiment d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans votre corps. Et aussi, on peut l'utiliser quand on fait, par exemple, un régime alimentaire, on veut perdre du poids, on fait un régime. J'ai essayé plusieurs fois et on peut éventuellement voir si ce régime va marcher avec les cartes, ok? Et on peut aussi voir quel effet ce régime aura sur notre corps, d'accord? Donc, dans ces séries de vidéos, je vous explique tout ça en détail le mieux possible et je vous donne aussi des idées comment voilà, interpréter ces cartes. Aujourd'hui, nous allons attaquer la troisième série de vidéos. On est à moitié chemin et je vois que ça vous plaît beaucoup. Et comme vous le savez, moi, je suis heureux de partager ces connaissances avec vous. Elles sont gratuites, d'accord? Elles sont gratuites. Je ne fais rien payer. Je trouve que, voilà, on a dans les mains... À travers ce jeu, un livre de symboles extraordinaires et que malheureusement beaucoup de personnes rangent le Petit Lenormand dans la catégorie des jeux de bonne aventure, les jeux, voilà, pour voir si tu auras un mari, si tu vas te marier, avoir des enfants. Mais le Petit Lenormand est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est bon pour faire des tirages spirituels, c'est bon pour faire des tirages, des prédictions, mais aussi pour donner des conseils et de la guidance pour le développement personnel de tout le monde. Sans plus tarder, je vous invite à me rejoindre sur la table où nous allons regarder le troisième groupe de cartes reliées à la santé. Et prenez des notes, car je sais que ces informations vont vous être utiles lors de vos consultations et lors de vos tirages. Donc nous passons à la troisième série de cartes pour le Petit Lenormand et le contexte de la santé du corps humain. Et nous commençons avec la carte de l'enfant et nous allons continuer jusqu'à la carte du chien. Donc l'enfant, c'est une carte, comme vous le savez, c'est un peu la carte de la maternité. Donc elle va être liée à la poitrine, d'accord ? On va aussi la lier à l'utérus et aussi au sein. Le renard, c'est la première carte qui va représenter notre bon docteur. D'accord? Et je le vois plus en étant... Et puis je vous expliquerai la deuxième carte qui est reliée au médecin. Mais le renard, lui, c'est beaucoup plus le spécialiste. D'accord? C'est celui qu'on va voir pour un problème précis. Et il est relié au nez, aux voies nasales et aussi aux oreilles. Et souvent, des fois, quand vous aurez cette carte dans votre tirage pour la santé, c'est qu'il faudra avoir un deuxième avis médical, peut-être même voir un spécialiste. La prochaine carte, c'est l'ours, notre ami l'ours très glouton. Donc, c'est sans surprise que vous allez retrouver l'ours lié à tout ce qui est estomac, digestion, appétit.
système digestif, le torse. Et quelquefois, il peut aussi être associé au sommeil. Ça dépend du contexte, parce que comme on le sait, l'ours hiberne. Donc, il faudra voir quand même le contexte. Mais la plupart du temps, cette carte est reliée à l'estomac, elle est reliée à l'appétit, au système digestif et aussi au torse. La prochaine carte qui est assez intrigante parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le mettre dans une catégorie, c'est la carte de l'étoile. Alors, qu'est-ce que l'étoile pourrait symboliser dans le contexte de la santé? Donc, certaines personnes diraient que les étoiles, c'est l'espoir, c'est la joie, c'est qu'on va guérir, mais on l'attribue au corps humain et son attribution, c'est la peau. D'accord? Tout ce qui est votre peau. Et les cartes qui sont autour, par exemple, vont pouvoir décrire un peu plus quel problème de peau ou quelle situation ou quelle solution pourrait vous aider à régler votre problème de peau. Par exemple, si vous avez de l'acné, vous allez voir que vous aurez la combinaison des étoiles et de la faux, parce que la faux, c'est un peu la carte des cicatrices, c'est un peu la carte des cicatrices. Donc, acné, c'est souvent lié avec les étoiles et la faux. Donc, il faut aussi ne pas oublier les associations de cartes. C'est ce qui rend le Lenormand riche, d'accord? Et comme je vous ai dit, j'ai écrit un livre, un petit livre en PDF pour vous expliquer en profondeur. Dans ce livret, j'explique le sens des cartes et leur attribution au corps physique. Mais je vous donne aussi des petites choses sur les maladies, sur certaines combinaisons de cartes, et aussi un message spirituel que la carte veut vous donner, un message divinatoire plutôt, que la carte veut vous donner pour votre état de santé. Donc la cigogne, elle, quand elle apparaît, elle est liée à la jambe en général, hein. Toute la jambe. Sans précision aucune. Donc c'est la jambe, c'est aussi la carte de l'utérus parce que la cigogne c'est la carte de la maternité, de la conception. Donc vous retrouverez dans cette carte l'utérus, les organes reproductifs féminins ainsi que les ovaires. D'accord? Dernière carte pour aujourd'hui, le chien. Le chien c'est la deuxième carte qui va représenter le médecin. Donc, le chien sera votre généraliste et le renard sera votre spécialiste, celui qui voit au-delà de l'horizon. Parce que le renard a une perception beaucoup plus lointaine de sa proie que le chien, lui, a sur les chiens de chasse ont sur leur proie. Et souvent, des fois, vous verrez que le renard arrive à déjouer comment dire, la stratégie et la pourchasse du chien. Vous le voyez souvent dans les dessins animés Disney, les anciens, je veux dire, où il y a toujours un chien qui court derrière un renard et le renard réussit toujours par ruse à échapper au chasseur et aussi à la poursuite que le chien lui fait. Donc le chien, c'est la carte du docteur généraliste, d'accord? Et comme pour le renard, ils ont les mêmes attributions qui sont les voies nasales, le nez et les oreilles. Pour le tirage de cette semaine, je voulais travailler avec mon Black Cat Lenormand. C'est un jeu que je n'ai pas travaillé beaucoup avec récemment. Vous savez, j'ai tellement de jeux et je les aime tous. Et j'essaie de travailler avec eux le plus possible. Et ça dépend un peu, comment dire, de l'humeur, de l'état d'esprit. Donc cette semaine, j'avais envie de tirer ce jeu pour vous. Donc ça, c'est la version de luxe, comme vous le voyez, avec les bords dorés. Mais vous avez aussi une option standard. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. On sent que l'hiver austral est là, hein. Donc, on va mélanger les cartes et vous allez vous concentrer sur votre semaine. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser maintenant.
Donc, je vais faire trois tas de cartes. Vous remarquerez que je tire les cartes toujours de la main gauche. Il y a une raison pour cela, parce que la main gauche, c'est la main qui se trouve au plus près du cœur. Donc, c'est pour ça que je tire les cartes de la main gauche. Et quand j'ai des clients devant moi, c'est eux qui piochent eux-mêmes leurs cartes. Et moi, je les interprète. Alors, on a notre petit. J'aime bien avoir ma petite bougie à côté. J'aime bien avoir de la lumière quand je travaille. Donc, on va commencer par le premier tas de cartes. Si vous avez choisi ce premier tas de cartes, nous rencontrons ici la dame, la consultante, le renard et aussi le cavalier. Alors, attention, mesdames. Ces cartes annoncent un séducteur qui vient vers vous et qui veut vous charmer. Pas vous charmer pour, on va dire, pas vous charmer pour, comment expliquer ça? Pour être un amoureux, mais plutôt vous dépouiller. Voyez-le comme l'histoire du renard et du corbeau dont on veut voler votre fromage, mesdames. Faites très, très attention. Une autre interprétation de ce tirage, bien sûr, parce qu'il y en a des multiples, dépendant du contexte. Ici, on voit que quelque chose arrive, ça peut être une proposition d'embauche pour, et c'est une femme qui vous fait la proposition. Donc, il y a une ouverture au niveau professionnel cette semaine pour vous. Il y a aussi des nouvelles qui viennent vers vous. Ça peut être aussi une visite inattendue dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi une visite ironique, d'accord, de certaines personnes. Donc, à vous de voir un peu lequel pourrait s'appliquer au mieux à votre situation actuelle. Alors, pour la réponse du oui, du non, du peut-être, je dirais peut-être, 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 parce que là, on a deux cartes neutres. On a une carte négative quand même, hein. Donc, c'est plus peut-être, mais à tendance non. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est pour vous cette semaine, si vous avez choisi le tas numéro 1. Alors, le tas numéro 2, nous avons le monsieur, mais dis donc, le monsieur, le vaisseau et les étoiles. Donc, monsieur, pour vous cette semaine, voyage, déplacement, il y a aussi quelque chose au niveau de la voiture qui s'annonce. Avec les étoiles, c'est un souhait qui se réalise, on a de l'espérance, on est éclairé, on est bien avisé. Donc, peut-être que vous allez entreprendre un voyage. Et ça peut être un voyage organisé parce que les étoiles sont toujours en groupe. Donc, voyage organisé, il y a aussi des changements positifs. Tout ce qui sort avec l'étoile est toujours positif. Et l'étoile a le pouvoir de multiplier, de magnifier plutôt. Magnifier la carte précédente, donc elle donne plus de force au changement avec le vaisseau, beaucoup plus de force à l'expansion. Et aussi avoir tout ce qui est lié à l'étranger. Donc l'étranger sera primé pour vous. Ça peut aussi annoncer des nouvelles ou des lettres que vous attendez qui viennent de l'étranger. Alors, dernière tas de cartes, dernier tas de cartes, pardon. Donc on va voir un peu ce qu'il en est. On a ici le cœur, les poissons et la lune. Alors, positif, positif, oui. Et ici, j'ai oublié de vous dire, pour votre question du oui et du non, je dirais un oui, hein. C'est plus un oui. Et ici, pareil, c'est des oui. Le cœur, c'est oui. Les poissons, c'est oui. La lune, c'est oui. J'adore cette image de la lune. Je ne me souviens même pas l'avoir fait, dites donc. Ça m'arrive des fois, hein, que je crée des cartes. Et après, comment dire, ma main se laisse dicter ou diriger ou dessiner. Et c'est bien après que je me rends compte que ce que j'ai fait là, c'est différent de ce que je fais d'habitude. C'est comme si, comme on dit en anglais, on fait du channeling. On laisse passer des messages. Donc voilà. Aussi pour vous, si vous êtes, il n'y a pas de coïncidence, bien sûr, si vous êtes médium, si vous avez un don de médiumnité, si vous avez le don de voir un peu les esprits, de communiquer avec les esprits, avec la carte des poissons, on va un peu dans l'émotion, dans les profondeurs, dans l'autre monde. Et dans beaucoup de traditions, les poissons sont considérés comme des esprits
les esprits, les ancêtres qui veillent sur le peuple. Donc cette semaine, vous aurez peut-être des signes d'amour, des signes d'affection qui vous seront envoyés par vos guides, par vos anges gardiens, par vos ancêtres, par ceux qui étaient là avant vous. C'est une semaine qui est positive pour les achats, pour investir, pour dépenser de l'argent. Et aussi, c'est un moment formidable pour faire plaisir à ceux que vous aimez, les personnes qui vous sont proches. Donc, vous serez aimés et vous aimerez en retour. Donc, c'est une semaine qui est pas mal. Et pour votre question du oui et du non, la réponse, elle est bien sûr oui. Comme on le dit, toutes bonnes choses ont une fin, mais c'est une fin que pour aujourd'hui. On arrive à la fin de la vidéo de la semaine et j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous permet de voir beaucoup plus clair sur l'interprétation des cartes et comment cet oracle peut être utilisé de différentes façons. D'accord? N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. Car si vous êtes abonné à la chaîne, vous aurez toujours une notification de YouTube qui vous avertira dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et bien sûr, je suis toujours heureux de lire vos commentaires et je réponds à tout le monde, même si c'est pas une phrase entière, mais je mets toujours un petit cœur, un petit merci, des petites étoiles ou un petit ange. Je réponds à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez voir le jeu de cartes que j'utilise dans cette série de vidéos, le Lenormand 2018, il est disponible sur mon site internet francophone, www.lenormandextraordinaire.wordpress.com. D'accord? Donc, vous trouverez ce jeu, et je vais aussi mettre le lien dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine et ce sera une joie pour moi de vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo sur l'oracle du petit Lenormand.